Que faire quand rien ne nous satisfait? Quand les performances ne sont pas à la hauteur de nos attentes? Par où commencer? Le mieux est de repartir de zéro, d'une feuille blanche. Le résultat? La transmission à variation continue classe Q200 des Ariane 600-500 sématiques. Une exclusivité conçue par classe avec une cinématique unique. Le carter de transmission robuste supporte l'ensemble des contraintes mécaniques. Des renforts supplémentaires sont inutiles. La conception intelligente du carter de transmission évite les pertes par barbotage et accroît le rendement. Jusqu'à 40 litres d'huile sont exportables pour les applications hydrauliques. La transmission offre une architecture claire et simple, avec la combinaison intelligente d'un bloc hydrostatique, de trains planétaires étagés et de deux embrayages. Le bloc hydrostatique se compose de deux modules hydrostatiques grand angle qui travaillent à tour de rôle comme pompe hydraulique ou comme moteur selon la vitesse d'avancement. Comme sur la majorité des transmissions à variation continue, la puissance du moteur est divisée en un flux mécanique et un flux hydrostatique. Ceci intervient par l'intermédiaire de trains planétaires. Sur la transmission classe EQ200, ce travail n'est pas réalisé par un train planétaire simple, mais par un train planétaire étagé. Ce train planétaire étagé, intelligemment combiné à deux embrayages multidisques, permet un changement de gamme. Ces deux gammes n'autorisent pas seulement une augmentation de la plage de vitesse, mais elles modifient également la transmission du flux de puissance dans la transmission. La transmission assure l'immobilisation du tracteur en mode neutre actif. Le conducteur n'a pas besoin d'actionner l'embrayage ni le frein de service. En première gamme, le tracteur peut démarrer ou changer de sens d'avancement, hydrostatiquement et donc sans à-coups. Prenons le temps de voir en détail le passage automatique de la première à la deuxième gamme. Dans la réalité, ce processus s'effectue de façon simultanée et en une fraction de seconde. Pendant l'accélération à pleine puissance du tracteur, les vitesses de rotation des deux arbres d'embrayage se rapprochent. La transmission atteint un point de synchronisation parfaite sans régulation électronique complexe. Le passage automatique à la deuxième gamme par le biais des embrayages multidisques est imperceptible pour le conducteur. La transmission de la puissance à l'intérieur de la transmission est modifiée. La fonction des blocs hydrauliques s'inverse. Le moteur devient pompe et la pompe devient moteur. La transmission à train planétaire étagé montre ici tout son potentiel. Elle ne répartit plus seulement la puissance entre un flux mécanique et un flux hydraulique, mais elle combine les deux. Grâce à ces deux gammes, vous disposez des meilleures technologies de deux transmissions en une seule. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Vous êtes arrêté en Devers en mode de neutre actif. Vous pouvez changer de direction sans à-coup et redémarrer facilement et en toute sécurité. L'accélération de 0 à 50 km/h est parfaitement régulière et puissante, même en pleine charge. Le changement de gamme s'effectue sans intervention manuelle. Et mieux encore, il est imperceptible pour le chauffeur. Vous profitez ainsi automatiquement des avantages des deux transmissions différentes réunies en une seule. Avec l'Arion 600-500 sématique, vous travaillez toujours dans la gamme optimale, quelle que soit la vitesse ou la puissance dont vous avez besoin. La courbe de rendement élevée et régulière de la transmission à variation continue classe garantit en permanence une faible consommation de carburant et optimise la puissance dans toutes les applications. Travail spécifique à vitesse réduite, travail du sol, travail à la prise de force et surtout transport. C'est dans ce domaine que l'Arion 600-500 sématique excelle particulièrement, avec une vitesse maximale de 50 km/h à seulement 1500 tours minute. C'est fou ce que l'on peut créer sur une feuille blanche. Une nouvelle référence dans le segment des tracteurs à variation continue, par exemple.